Hey, salut! Alors du coup, on va reprendre le labyrinthe. Parce que il me semble qu'on en était au labyrinthe, si je me trompe pas. Comment ça se fait que la boîte a été ouverte là-bas? Ok, donc si c'était pas là. Alors, les corbeaux n'ont pas l'air d'être méchants parce que je me souviens qu'il y avait un Resident Evil où les corbeaux étaient plutôt méchants. Peut-être que si quelqu'un était. Non. Ok, donc c'était pas ça. Ok, j'ai alors changé d'arme, oui. Peut-être pas maintenant. Alors, attendez, faut que je regarde le plan parce que je me rappelle plus. Hop. J'y suis pas du tout. Peut-être que si. Y a un autre chemin peut-être pour y aller. Faudrait que. Ah bah non. Les portes sont quand même fermées. Non, la clé, du coup, j'avais déjà récupéré. Donc, si c'était bien par là qu'il fallait que j'aille. Mais. Ah, on a deux portes. Une qui fonctionne, une qui fonctionne pas. Fonctionne. On est d'accord jusque-là. Ensuite, nous sommes à l'extérieur. Là-bas, il y a une deuxième porte qui ne fonctionne pas. Ah, voilà. C'était là. Là, on va en avoir beaucoup besoin de toutes ces munitions. Oui, c'est nouveau aussi. Ok. Voilà, le labyrinthe, ça y est. Alors, par contre, je sais pas comment on va sortir de ce truc. Je sens qu'on va tourner en rond un bon moment. Là, je ne peux pas, il me manque l'emblème qui va sûrement être caché là-bas dedans. Ah, voilà, c'est Lazare qui nous appelle. Mr. Kennedy, still Toujours en vie à alive, ce que je vois. I see. So, do you like my garden?
Alors, vous aimez mon jardin? Je vois que vous avez réussi à rendre. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Deux autres chats à fouetter. Two rats. If one's Louis, who's the other? They're an intruder besides me? Alors, du coup, l'hypothèse d'hier sur ce troisième intrus était que ça pouvait être la fille en robe avec les cheveux noirs. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça commence extrêmement bien. Ça commence extrêmement bien, j'aurais dû me soigner. Au lieu de rester dans un état de mort, j'aurais dû me soigner, c'est pas grave. Ce n'est pas un problème, on peut recommencer. Puis ça va en reprendre de là, donc. Cette fois-ci, je vais passer le passage où il parle, hein, parce que du coup, sinon, on n'en finira pas. Je vais juste me préparer pour les chiens. Voilà, hop, on passe. Voilà, j'ai trouvé la touche pour passer. Déjà, c'est beaucoup mieux. Donc, si je ne me trompe pas, il y en a un autre dans sa cage qui ne peut pas sortir, que je vais aller, hop, directement tué pendant qu'il est encore enfermé. Voilà, là il y en a deux. Ah non, il y en a trois. J'étais pas censé faire ça de base. Non mais c'est pas possible. Ok, c'est pas grave, on peut reprendre. Y'a pas de soucis. Hop, on passe. Voilà, j'ai plus de temps à perdre. On passe tout. Ah, faut le temps de se remettre dans le jus du jeu. Hein. Une fois que c'est parti, normalement ça va mieux. Hop, on passe. Pas de temps à perdre. Les munitions changent tout le temps. Thank you.
Ok. Hop, on se soigne avant de mourir encore une fois. Hop, 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 hop. Je suis dans un état critique. Oh, j'étais pas passé par là. Ah, du coup, l'autre chien, bref, de ce côté-là, évidemment. Ah non. Ok. C'était pas bon du tout. Alors pourquoi... Pourquoi hop. Ok. Donc il faudrait que je tue avant le chien emprisonné et ensuite que je... tue les trois autres qui sont dans la cage. Hop. Une plante? Non, pas du tout. Ah, un spray pompe soigné, ça c'est cool. Je vais pas l'utiliser maintenant, je suis encore dans le verre, ça sert à rien.
Ah. Je sais pas ce que j'ai fait. Il me donne rien. Par contre, là, ça me suffira pas. Il va vraiment falloir que je me soigne vraiment complètement. Hop. Ouvrir la porte en même temps que je passe. Mais c'est vraiment possible ça? Non, mais non. Ok. C'est pas grave, on est là pour se tromper, pour recommencer, y a pas de soucis. Voilà, comme ça. Ouais, j'ai gâché des balles pour rien. Mais au fonctionnerait pas mieux. On va voir ça. On va déjà remplir. Non. Alors, le pompe. Oui, j'en ai 5. On va l'équiper. Hop. On va équiper toutes les armes qu'on a. Ça, c'est déjà équipé. Ça, hop. Combiné. Hop. Et ça, est-ce que je peux le combiner? Ok. Ok, ok, ok. Alors, il faut que je trouve le spray, etc. C'est parti. Et là, j'ai une herbe. Ils se foutent de moi. Et il va me faire gaspiller mes balles pour rien. Hein. Maintenant. Ah.
Bon, là, il me donne des sous, il me donne pas grand chose. Hein. Non, 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 non. Eh ben, si en fait, parce que je crois que j'ai plus. Ok. Déjà. Ok, c'est soit je vais là, je monte. Là, il y avait des chiens et je me retrouve avec une ribambelle de chiens. Et bah ça promet, hein. Ça promet, ça promet. Ok. Faut que je me soigne là. Ok. On est dans le caca, hein, avec tous ces chiens qui sortent de partout à chaque fois que je récupère un truc. J'espère que je vais pas tomber sur un boss. Ce serait cool. Oh, j'ai trouvé la première partie, ok. Thank you.
Oh purée. Oh non, je dois tout recommencer. Oh non. Ça va être chaud de ouf de passer ce moment-là en fait. Je sais, je ne vais pas en ressortir vivant. Ah oui, j'avais dit que changer d'arme. Celle-ci est un petit peu plus... voilà. Ça, on va combiner avec ça. Hop, c'est nickel. Allez, viens ici. Ok. Heureusement que j'ai amélioré mes armes. Hein. Ok, celui-là c'est bon, je m'en suis occupée, on est pas mal. Alors déjà, si on prenait une arme chargée, ce serait mieux, je pense. Le pompe est une bonne idée. Ah, c'est pas le pompe ça. Je me suis trompée. On va se soigner vite fait, bien fait. Hop. Non, c'était pas ici. Il y avait un autre chemin où je pouvais aller et casser la porte. C'était ici. Ok. On équipe, on arme. On reprend. On va pas récupérer ce qu'il y a dedans puisqu'il n'y a rien. Hop. Là, c'est le soin. Merci beaucoup. Ensuite...
Ok, là c'était le premier bout. Ah, mais en fait il y a deux ponts. J'avais pas vu. Et là en bas, comment je fais pour aller ici? Je sais si je fais ce truc. Ah, il y a un truc ici. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Ok. Chouette, on va l'utiliser tout de suite. Et là, qu'est-ce qu'on a ? C'est une catastrophe pas possible. En fait là je tourne en rond. J'arrive plus à retrouver les chemins que j'avais pris tout à l'heure. Ah, il est de l'autre côté. Alors là, il faut que je fasse comment? Une vue d'ensemble. Voyons voir. Si je passe comme ça, que je trouve. Alors. Que je continue comme ça jusqu'à là-bas. On va tenter. J'aimerais bien récupérer tout ce qu'on a dans le labyrinthe dans un premier temps. Alors, faut que je retourne au truc. Ah, on a récupéré un truc. Salut, bienvenue, comment ça va? Ok, non, c'était pas ça. Ah, ben tant mieux alors. C'est ce qu'il faut. Mais non, c'est pas ça. C'est l'autre côté qu'il nous faut. Pourquoi je peux pas y être? Ah! Ah, peut-être comme ça. Voilà. De ce côté-là. Mais je suis déjà passée comme ça. Ah, est-ce que cette fois-ci c'est le bon? Oui, c'est le bon. J'ai trouvé. Et là, on a un coffre. On va le récupérer. Les cartouches, je vais en avoir bien besoin. Et il me faut la moitié de la clé. La moitié de la clé. Ah, c'est vrai? Un fan de Resident Evil ou t'as juste joué au jeu? On va partir comme ça.
comme ça on aura beaucoup plus de champ de vision. Alors toi tu m'énerves. Moi aussi. Non mais non mais non mais je ne devais pas mourir. Ok d'accord. Et t'en as un que tu préfères par rapport à tout ce que t'as joué? Et merci pour le follow, c'est gentil. Bon, on va y arriver à passer ce labyrinthe peut-être. Non. C'est bon, ça laser, j'ai dû trop de fois. Hop. Alors j'avais dit que je changeais d'arme. Je vais prendre celle-ci. Elle fait plus de... Elle est plus puissante, je dirais. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Le fusil à pompe est très utile, mais j'ai pas beaucoup de balles. J'en ai que 5. Du coup, j'utilise cette petite arme là. Qui les one-shot pas, mais au moins deux fois, j'arrive à les avoir. Ok. Hop. Ah, cool. Je vais pouvoir machiner un petit peu mes armes. Alors, on a... Hop. Oh. J'en ai que deux. Comment je faisais pour les remplir? Fusil à pompe, hop. Rempli. Je pense que le fusil à pompe, j'ai gardé pour les derniers parce que les derniers sont plutôt compliqués. Ça va. J'ai une vie plutôt pas mal pour le moment. Combiné. Hop. Et go, on est reparti! J'ai le seul qui bug. Visez la tête. D'accord, ok. Donc même sur les chiens, juste viser la tête, ça suffit. Alors lui, il m'a pas laissé faire quoi que ce soit. Go pour commencer encore une fois. Oh purée, il m'épuise. D'accord. Oh purée. Je vais finir par le connaître par cœur, c'est un bureau, ta force. D'accord, ok. Et bon, on va tenter tout ça. J'ai juste deux trucs à récupérer, mais il y a des chiens partout. Laissez-moi un petit peu de moment de répit, ce serait cool quand même.
Parce que depuis le début, je fais que me battre, hein. Donc 5 minutes de répit, ce serait sympa. Alors, on va prendre celle-ci, du coup. Je trouve que les chiens, ils sont vachement trop rapides pour arriver à viser la tête et j'ai même pas le temps de me placer, ils me foncent déjà dessus. C'est un truc de dingue. Ah, mais j'y ai pas pensé, mais j'ai une grenade. Je pourrais l'utiliser. Quelque chose? Non, pas du tout. C'est pas la peine d'ouvrir. Hop. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, pas de grenade alors. On va essayer de retenter le pompe. Mais si ces fameux chiens me laissaient le temps de les abattre, ce serait cool. Enfin, des chiens, je suis pas tellement sûre. C'est plutôt des monstres, hein, je dirais. Des chiens monstres. Alors là, il y en a un qui va arriver, évidemment. Boum! Ah oui, en un coup le pompe. Alors, de quel côté le coffre déjà? Ouais, t'avais raison, le pont est plutôt fatigué. Wouhou! Coucou les chiens! Par contre, là, je vais être plus beau. Ok, pas mal. Ok, déjà ça m'aura permis d'éviter de mourir encore une fois. Si, je voulais le récupérer. Et voilà. Ah, ça y est, j'ai des munitions de pompe. Cool. J'aime bien quand j'arrive à les avoir par deux. Au moins, c'est plus simple. Par contre, faut que je retrouve. Mais c'est pas possible. Tu me les brises. Allez, au revoir. Merci. Ouh. Et bah c'est qu'on va épuiser le stock de munitions avec ces animaux, dis donc. Ok, d'accord. Bah là j'ai plus de balles de pompe, alors je peux plus utiliser le pompe, mais j'ai utilisé le petit pistolet du coup. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je cherchais déjà? Le pont, une partie du pont. Avant que je m'enfuie. Là c'était bon. Faudrait que je prenne de la hauteur. Ah, derrière. Ah, le spray. Faut pas oublier le spray. Il va me soigner.
En plus, c'est qu'ils font mal ces chiens. Je m'y attendais pas. Le pont est de l'autre côté. Ok. Alors réfléchissons. Comment j'étais passée la dernière fois? J'avais fait le tour. Si je passe comme ça, normalement, je devrais peut-être atterrir à l'autre côté. Alors franchement, les labyrinthes, déjà que je les aime pas dans la vraie vie, alors dans le jeu. Hop, c'est parti, on a trouvé une partie. Ok, d'accord, pas de soucis. Bah merci beaucoup pour ton aide. Et pour tes explications du coup. Alors. Ah, déjà. Ok, je suis ici. On est d'accord qu'il faudrait que j'aille. Alors, le pont, il est où? Le pont. Alors, déjà, le pont, il est représenté par ces petits trucs ou pas? J'arrive pas à savoir par quoi il est représenté. La sortie est là-bas. Ah, mais il y a deux sorties. Il y a deux sorties différentes. Ok. Alors déjà rien qu'une carte j'arrive pas à la lire, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va, j'ai un petit instant de répit, quelques minutes. J'en profite. Faut profiter des fois. Ah, le voilà, le deuxième pont. Et c'est là que je me fais attaquer en général. Alors déjà, j'aimerais bien avoir une vue d'ensemble. Ok, j'ai les deux parties. Mais maintenant, je fais comment? On se remet de la vie. Je me suis loupée. Ah non, mais moi j'ai mal à quand même. Non, oh non, mais j'y étais presque. Ah, ça m'énerve. Comme tu dis, aïe. J'étais à deux doigts d'y arriver, enfin à deux doigts, à deux chiens d'y arriver. On va dire ça comme ça. Hop, on passe. Oh purée. Oh mais c'est horrible tous ces chiens qu'il y a là. Et bah franchement, je préférais les chiens du premier Resident Evil. Hein. Ils étaient un petit peu plus simples à battre. Non mais c'est pas possible, comment j'ai pu le louper? Ah.
J'ai eu très très chaud. Tu viens de résider dans tes villes, je crois que... Ah, c'est vrai? Bah moi j'ai beaucoup de mal. Bah celui-là c'est la première fois que j'y joue. Il y en a auxquels j'ai déjà joué, du coup ça va, c'est plutôt simple quand on connaît. Mais quand c'est la première fois qu'on y joue et qu'on découvre tout complètement, c'est un petit peu compliqué. Donc forcément on se fait avoir plusieurs fois. Mis à part le fait que des fois on découvre des petits bugs qui permettent du coup de tuer plus facilement les méchants. Ah ok, c'est si je m'approche trop qu'il sort du truc. Ah ok, j'ai compris. Ok. En gros, si... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je me suis soignée au lieu d'équiper le pied. Ah, ça commence extrêmement bien. Alors, en gros, si je passe de l'autre côté pour les autres chiens qui sont dans le truc et que je suis assez éloignée, ils devraient pas sortir de leur cage. Normalement, normalement. Me permettre de les avoir plus facilement. En fait, faut juste pas que je m'y approche trop. Ah bah tu m'étonnes. Alors par contre le jeu dont tu viens de me parler je ne connais pas du tout. Désolée. Mais sur Resident Evil, sur celui-là, je me suis retrouvée avec des bugs assez sympathiques. Donc du coup ça m'a permis de tuer des boss sans avoir à les affronter directement. Donc c'était plutôt intéressant, c'était plutôt marrant. Petit filou. Non. Est-ce que je t'ai dit de me tuer? Est-ce que je t'ai dit de m'attaquer aussi? Non. Il me laisse vraiment aucune chance. Ah oui. Non, mais ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire parce que... En fait, on m'avait appris un truc. Pardon. C'est de toujours m'approcher pour pouvoir tuer plus facilement. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. J'essaie d'être au plus proche. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que là, ça fonctionnait pas. Bon, c'est reparti. Alors, ça je l'ai déjà vu, merci. Mais je comprends pas pourquoi ils me remettent au début du labyrinthe. Oh purée, pardon. Ben du coup... J'ai fini par m'en rendre compte, le problème c'est que quand j'essaye de m'éloigner, ils me suivent de trop près. Le personnage il court pas assez vite, je trouve. Voilà.
Mais pourquoi là ça va pas marcher? Ok. Alors du coup ça, hop. Ça c'est plutôt pratique comme arme quand c'est de loin, mais là j'ai pas vraiment de truc de loin du coup. Le tour, les munitions et les explosions. Ok. Bah, c'est surtout que j'ai l'impression que quand je fais le tour des endroits, je tombe forcément sur un animal qui va me tuer en fait. Ah, une herbe! Oh, les herbes jaunes, je trouve presque jamais le reste des herbes, c'est un peu chiant. Bon bah tant que je suis là, j'ai quand même récupéré le truc. Et puis après on va recommencer. Hop, on va refaire tout le tour. Hop, là j'ai quoi? J'ai un rubis. Alors le pompe, ouais, j'en ai 5. J'en ai que 5. Ok, pour celui-là, je vais faire au plus simple, je vais prendre cette arme-là. Ok, une plante. Ah, j'ai récupéré le pompe, du coup il me reste 3 munitions. Là, j'y suis déjà allée.
Alors. Là, j'y suis déjà allée. Là aussi. Ah. Qu'est-ce que j'ai? Ah, des munitions de pompe. Super. Ok. Ça commence à aller. Hop. Hop, en descendant là, j'ai un truc. Mais il me manque le spray. Il me manque le spray. Où est-ce qu'il est ? Alors, je vois pas tout d'ici. Mais je sais qu'il me manque le spray, donc on va essayer d'aller voir. C'est vrai, t'as raison, le pompe, c'est vraiment efficace. Ah oui, là il y a bien un truc qui brille, je me disais une spinelle que je vais pouvoir revendre d'ailleurs, ça va être cool. Ça va me faire quelques petits sous. D'ailleurs, j'ai combien? Oh, je suis à 23 000, c'est cool. Alors, après pour les herbes, tu peux les combiner. Ouais, ça je sais, les herbes que je peux les combiner, mais en fait... Quand je combine celle-ci et celle-ci, par exemple... Ah si, je peux les utiliser. Ah, c'est la rouge et la verte. Quand je les combine, je peux pas les utiliser. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Je me souviens que j'avais été bloquée à ce niveau-là. Je voulais me soigner et puis j'avais pas pu me soigner. Mais... Ok, merci. J'avais pas vu que je pouvais combiner mes plantes. Bon, et eh bien, allons-y pour affronter ces molosses. Alors, je suis désolée, j'espère que vous entendez pas crier, mais il y a des enfants dans le coin et ça crie dans tous les sens. Là, ça doit être bon. J'ai plus affronté de chiens. Bienvenue sur le live à ceux qui arrivent. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Là, je dois avoir la sortie, je crois, par là. Ah non, elle est là, la sortie. Hop, c'est parti. On y va. À moins que... Non, pour l'instant, ça va. Alors déjà, je vais pouvoir ouvrir la porte. C'est déjà cool. Combiner avec ça et on l'utilise.
Ok, d'accord. Ah, c'est de elle que je parlais. C'est à l'heure. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Mais, what? Je sais plus comment elle s'appelle, mais je l'aime trop, je la trouve trop badass. Elle. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Ok. Leon. Long time no see. Ça fait... Ada. So it is true. Ah voilà, c'est Ada. Je l'aime bien, elle. About what? You. Oui, c'est ça, Ada Young. Je l'aime trop. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? See you around. À la prochaine. Elle passe en coup de vent, dis donc. Je me rappelais plus de ça. Oui, je sauvegarde, évidemment que je sauvegarde ma fin de chapitre. J'ai mis un long moment à faire ma fin de chapitre, alors oui. C'est le moment de sauvegarder. Hop. On va faire le tour. Ce château, il est immense. Là, on a de quoi sauvegarder, mais ça va, j'ai sauvegardé ma fin de chapitre. Ok, on a un couloir immense. Et l'autre côté, c'était quoi? C'était un lit. On doit être dans la chambre du petit prince. Je vais l'appeler comme ça, le petit prince. Voilà. Nous avons les abeilles volantes et le petit prince maintenant. Un dessert pour apprécier les années qui restent. Oh, j'ai cru voir une plante. Oui. Prends. Le repas de la vie commence par le pain. Oh non, pas une énigme. Oh, je sens que je suis tombée sur une énigme. Ça va être sympathique. Et là, c'est quoi? Un dernier verre et la bouteille se brise, nous renvoyant à la poussière d'où nous venons. Alors, ça, oui. Léon, j'ai su qu'il faisait partie de Raccoon City comme policier quand j'ai regardé le film. Je connais bien les histoires des personnages du jeu. Ça, c'est cool d'avoir quelqu'un qui connaît bien les histoires. Alors, Ada, il me semblait qu'elle était gentille et qu'elle aidait... Enfin, bon, moi, j'ai vu les films et j'ai pas joué à tous les jeux, donc du coup, je sais pas exactement. Mais je me rappelle plus qu'elle faisait partie d'Umbrella. Et Léon, ça, je savais qu'il était policier à Raccoon City. Il a commencé là-bas. Et maintenant, je sais plus. Je sais pas où il en est, en fait. Absolument pas. Alors, je pense qu'il y a un truc derrière ça. L'histoire des desserts, des trucs. Là, c'était quoi? La viande nourrit la chair. Ouais. C'est un petit peu glauque. Alors là, c'est fermé. Oh purée, non. Ah, les énigmes, c'est chiant.
ouvrir. Ça me l'air d'être une zone tranquille. Oh oui, c'est vrai, faut que... De l'or. On a de la chance. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Elle est un peu spéciale sur les bords. Mais moi, je trouve qu'elle est badass. Moi, je dirais que... Les personnages que je préfère dans les Resident Evil, c'est Léon. Parce que j'aime beaucoup son personnage. Je trouve qu'il est badass. Mais au début, ça dépend. Et puis, j'aime bien Ada. Ça va. Et après, bon, bah, je sais qu'il y a l'histoire entre Chris et puis sa sœur aussi. Il y a Jill. Enfin, il y a... Oh, purée. Mais c'est pas possible, c'est ça le problème. Laisse-moi jamais tranquille. Ok, alors, où est-ce que je dois aller? Déjà, de base, je suis censée aller là-bas. Je suis pas du tout dans le bon sens. Je suis absolument pas dans le bon sens. Alors là, je pourrais passer pour aller jusque là-bas, c'est tout ouvert. Et là, c'est fermé, donc du coup, je suppose que je peux aller là-bas. Ça, c'est cool en vrai. Du coup, un fan de Resident Evil. Bon, on va essayer de reprendre le chemin de l'autre côté avec le point de save. Ah non, ça c'était le serpent. Hop, on s'en va. On s'en va. Ah, hop. Alors là, non. Ça, on verra ça plus tard. Moi, c'est de l'autre côté que je veux aller. Déjà, faut que j'aille chercher Ashley. J'ai pas envie d'aller la chercher, mais c'est pas grave. Il faut la sauver de toute façon. Alors là, je suis où? Mais je suis carrément à l'opposé, en fait. Je suis clairement à l'opposé. Là, je peux passer. Donc en gros, faut que je fasse demi-tour. Ok. Encore un petit tour. Ici. Il n'y a que par ici que je peux passer. C'est ça qu'ils sont après me dire. Pour rejoindre le point. Ouais, il n'y a que ici que je peux passer. Ok, bon ben... Alors, il y a une porte cachée. Ou quelque chose comme ça. Ah, ou ça doit être ça que je dois débloquer. Réfléchissons. Non, la porte, c'était bien celle-là, en fait. Je m'étais pas trompée de chemin. Ok, ben allons-y. Ah, j'ai déjà fouillé la pièce. Oh, mais c'est quoi toutes ces portes? Je joue sur Xbox. Alors. Ah, mais je suis revenue ici, en fait. Ouais, j'ai cru voir ça. Je savais pas, ça m'a surprise quand j'ai vu que les monstres pouvaient ouvrir les portes.
c'était la porte en dessous, je crois. Est-ce que c'est ça? C'est ça, ok. Ouvrir. Ok. Et mais c'est un vrai labyrinthe, cet endroit. C'est un truc de dingue. Non, je suis pas au bon endroit. Ok. Ensuite. Ouais, franchement, dans les Resident Evil, les châteaux, ça ressemble même plus à des châteaux à force. C'est pire que des châteaux. Il y a tellement de pièces. Mais c'est dingue. Alors après, je peux concevoir, vu que c'est un jeu, c'est fait en sorte qu'il y ait beaucoup de pièces. Mais là... beaucoup, beaucoup, quoi. Alors, ça doit être... de l'autre côté. Du coup, par là. Welcome. Oh. Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Is that ça, all, stranger? Oui. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Is that all, strange? Thank. Is that all, strange? Thank. Is that all, stranger? Is that all, strange? Thank you. Is that all, strange? Thank you. Is that all, strange? Thank you. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Par contre, maintenant, est-ce que ça me servirait pas quand même d'optimiser un petit peu mes armes? Réfléchissons, réfléchissons. Le fusil à pompe. Est-ce que je l'optimise ou est-ce que... Parce que là, j'ai mis un niveau 6. Est-ce que je prends celui-là ou est-ce que je le garde? Celui-là, il est au 6. Est-ce que j'améliore pas? Franchement, je sais pas par rapport aux armes s'il faut les améliorer ou pas, ou si j'attends encore un petit peu. Fusil semi-automatique. Celle-là est un peu mieux que celle-là. Donc à la limite, je peux revendre celle-là et prendre celui-là. D'accord, ok. Puissance de cadence de tir 7. Niveau 1,83. Et là, je suis à quoi? Ouais, je pense que celle-là serait un peu mieux que le TMP. Lance-mine. Ah, c'est vrai qu'on a un lance-mine. J'avais oublié. Bienvenue sur le live. Je pense que je vais faire ça. Je vais changer d'arme. Parce que franchement, à vrai dire, j'ai besoin d'armes plutôt pas mal. La mallette, je l'ai déjà. Donc celui-là, c'est bon. J'ai pas besoin de prendre d'autres petits trucs. Le fusil à pompe, j'ai gardé celui que j'ai pour le moment, je pense. Par contre, je pense que je vais partir sur celui-là et revendre le TMP. Off. 30, contenance 30, contenance 10. Après, il y a plus de contenance, mais en soi, cadence de tir, elle est meilleure, quoi. Je sais pas trop, hein.
Ou alors, parce que sachant qu'on apparemment je risque d'avoir besoin d'un lance-roquette, est-ce que je prends le lance-roquette ou le lance-mine? Est-ce que ça va vraiment me servir à quelque chose? La crosse du TMP. Ah, est-ce que si je prends la crosse du TMP, ça va améliorer mon arme? Lunettes de fusil. Oh, parce que moi j'ai pas la crosse. Alors, crosse pour un de 9 mm. Absorbe et dissipe 80% du recul, ce qui augmente la stabilité et le confort lors du tir. Ok, seulement la distance de visée. La puissance de feu, je peux plus l'augmenter, je suis déjà à fond. Ouais, le fusil à pompe, je suis déjà à fond pour la pour ça. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est celui-là. Est-ce que je peux l'améliorer beaucoup plus que l'autre fusil à pompe ou est-ce que pas du tout? Parce que celui-là, si je suis déjà à fond et que je tombe sur des monstres beaucoup plus gros, est-ce qu'il me faudrait pas plutôt celui-là? Ah, purée. Puissance de feu. Je suis à 2-1, niveau 0,53. Vitesse de rechargement 2-20. Bon, je vais attendre encore un peu, je pense. J'ai vendu tout ce que j'avais à vendre, donc ça va. Et puis on verra. Normalement, c'est ici que je dois aller, hein, si je ne me trompe pas. Non, c'était absolument pas ici. Mais j'ai trompé de porte. Alors, voyons voir. Le point de sauvegarde qui est juste en bas. Alors, le pompe noir. Je me trompe. Il est plus puissant que le marron. Bah, c'est ce que je me demandais si le pompe noir était plus puissant que le marron ou pas. Parce qu'en fait, ça aurait été cool peut-être de changer. Peut-être au cas où. Et peut-être d'augmenter la puissance. Pardon. Et peut-être d'augmenter la puissance du pompe noir et de revendre le marron. Parce que je l'ai augmenté à fond le marron. Et puis même si il one shot, ça dépend quel ennemi quoi. Alors, je me... Ah, mais je commence à être dans le bon déroulement de l'endroit. Ok, d'accord. Bah là, j'ai presque plus de place de sauvegarde déjà. J'ai déjà trop sauvegardé. Hop. Ok, réussi. Hop, c'est parti. Du coup, c'est ici que je dois aller. Non, c'est pas ici, c'est tout droit. Mais je sais qu'il faut que tu trouves un autre moyen. Mais qu'est-ce qui me fait faire là, le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, là-haut, il y a un truc. Bon. En fait, je suis retournée en arrière pour rien.
J'aurais dû continuer sur mon chemin. Pour faire tout le tour. En fait, je retourne tout en arrière. Faut que je passe comme ça. Comme ça, et puis là, je tombe sur la pièce. Welcome. Got some rare things on sale. What are you buying? Déjà. À combien il est? Is that all straight? Thank you. Ensuite. What are you selling? Vendre. Ah, I'll buy it at a high. Thank you. Ok. What are you buying? Optimiser. Évidemment que j'ai optimisé. Je suis à 62 000. Is that all, stranger? Oui, is that all, stranger? Encore une fois. Thank you. Ok. Je peux l'optimiser déjà un peu plus. Déjà pas mal. Ça, c'est cool. Oula. Oula, oula, oula. Alors, le pompe moi. Et quand tu vois une machine à écrire, ça regarde toujours. Ok. Alors, du coup, hop. Alors là, du coup, fallait que j'aille où? Fallait que j'aille à l'étage. Est-ce que c'était là? Eh ben, dis donc, quel labyrinthe! Ok. Alors maintenant, qui tout double. Donc c'est la porte ici que je dois prendre. C'est bien ça. Et maintenant, c'est la porte ici. Mais qu'est-ce que je fais de nouveau ici? Mais je tourne en rond en fait. Oh purée, c'est tellement un labyrinthe ici. Oh lolo. Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était aller là-bas. Je peux pas passer par là. Faut que je passe par là. Oh, je me suis perdue encore une fois. C'est pas possible.
Bon, maintenant, on réfléchit correctement. Si je dois passer ici, c'est fermé. Donc, je dois prendre cette porte-là. Et ensuite, cette porte-là. Ok. Ok, c'est bon. Ok. On en est ici. Alors, si je passe par là, ça va me faire arriver. Alors déjà, je dois aller là-bas. Donc déjà, je ne suis pas au bon endroit. C'est plus par là, la porte. Doit être celle-là. Ouais, forcément, c'est la porte qui est fermée. Alors, regardons. Un dernier verre et la bouteille se brise. Nous renvoyons à la poussière d'où nous venons. Ok. La viande nourrit la chair. Ça n'a rien ouvert du tout. Alors, est-ce que je peux voir de plus près? La viande nourrit la chair. Je peux pas faire le tour. Non, je peux pas faire le tour. Oh, ça doit être ça, mais après. J'ai pas d'interaction avec ce truc. Ok, si je passe par là, je retourne au labyrinthe, mais là c'est la porte qui est coincée. Il y a forcément un truc. Je vais juste faire une petite pause et puis je reviens tout de suite. Faut que j'aille au pipi room et puis j'arrive. Faut que je regarde comment je fais. Et puis à tout de suite. Thank you.
Bonjour tout le monde. Alors du coup, j'en étais là et j'étais absolument bloquée. Alors là j'ai le passage. Ok. Je peux pas passer par-dessus, faire quelque chose. Là, j'ai le passage et j'ai un trou. Je pourrais passer. Alors, voyons voir. C'est pas ici. Bon, j'ai juste voulu faire un test. Hein. Ça a pas bien fonctionné. C'est pas grave. Alors, là. Oui, de ce côté-là, j'ai une porte. Ok, c'est de là où je viens. Donc si je la prends, ça sert à rien de me faire revenir en arrière. Mais apparemment, il y a d'autres choses. Sûrement un chemin de roulis ou quelque chose. En fait, il faudrait que j'arrive à passer ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit déjà pour cette porte-là? Je peux pas l'ouvrir de toute façon. Il n'y a pas moyen d'ouvrir. Ok. Ok. Alors c'est parti. Ok. Ok. Cool. Le fameux boss qui voit pas. Oh,
Ok, on est dans le caca. Ah ouais, non, là, non, je vais pas... Je dois, c'est son problème normalement. Ouais, je crois que ça doit être ça, si je me rappelle bien, je crois que je l'avais déjà eu dans la prison. Et il faut que j'arrive à faire en sorte de me faire discrète pour arriver à viser son dos. Mais c'était pas moi qui l'avais passé. Donc du coup... Alors, est-ce que j'ai tenté le pont? Peut-être que ça pourrait m'aider. Ok. Merci pour le conseil. Ah ok, pourquoi pas. Bah oui, parce qu'il y a un truc en plein milieu et ouais, c'est... Merci. C'est fait pour... Comme tu dis. Oh purée. C'est... Au début je m'en sortais bien, là ça commence à être chaud en fait. En fait, faut toujours que je sois en mouvement, c'est pas possible de rester sans être en mouvement. Ah purée. Je sens que ça va pas être facile. Oh,
Ok. Bah, j'y ai pensé à éliminer le mec avec les flèches, mais je me disais que c'était pas une bonne idée, vu que j'avais le boss de la cage. Ah purée, mais moi comme une andouille. Super chaud en vrai. J'ai vraiment du mal avec celui-là. Alors, je sais pas si ce que je viens de faire était une très bonne idée, mais on verra ça par la suite. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai essayé d'utiliser les trucs en feu parce que j'ai l'impression que ça le stoppe. Donc j'ai commencé avec ça, comme j'ai fait tout à l'heure. Dès qu'il descend, hop, une petite grenade feu. Je vais faire pareil avec le gars qui... Après, j'ai essayé d'avoir le gars à l'arbalète. Et puis, hop. Ah purée. Ok, j'ai pas bougé assez vite. Là, je me suis foiré complet.
Ok, bon, j'ai quand même trouvé une petite technique, on va rester là-dessus. On va voir si ça fonctionne de nouveau. Si vous voulez bien arrêter de me trancher la tête quand même, ce serait cool. Ah, purée. Ok, une grenade et puis je le finis au pompeau. Ok, merci. Purée.
je vais y arriver, hein. Je vais finir par y arriver. Bon, bah, je crois que c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'ai essayé de reprendre un petit peu plus tard, mais je commence à fatiguer un petit peu. Du coup, dès que je peux, si je peux ce soir, je rejouerai et puis j'essaierai de terminer ce boss. Parce que franchement, il est en train de m'énerver. Et du coup, je vous dis à ce soir si vous revenez. Et sinon, je vous fais de gros bisous. Bon après-midi. À plus tard.